Hey, bonjour tout le monde, c'est Banana pour un tuto sur Photoshop. Alors, comment mettre une texture à une image ou à un texte, ça revient au même. Alors, voilà, je vais prendre cette image. Voilà. Et là, on va lui mettre une texture. Bah, je sais pas si vous avez déjà votre image ou tout. Alors, on va lui mettre votre image. Après, il vous faut la texture qu'on va lui appliquer. Bah, alors, moi, je vais lui mettre... Quelle texture je pourrais bien lui mettre, on va lui mettre voilà cette texture, c'est un petit peu bizarre mais alors voilà, je vais mettre la texture par dessus, après ça vous importez, voilà, et vous allez repasser votre votre image ou quoi que ce soit par dessus la texture, ça donne ça. Après, vous allez dans sélection qui est en haut dans la barre. Vous faites récupérer la sélection et tout en ayant cliqué sur votre image, vous faites OK. Comme ça, vous allez prendre votre image et la passer en arrière de la texture. Alors voilà, vous voyez la silhouette, ça donne ça. Vous allez sélectionner votre petit carré sur la barre. Je ne sais pas s'il vient trop vite là. Alors sur la barre de gauche, le petit carré. Pour savoir si vous êtes dans la sélection ou pas. Et quand vous l'êtes pas, ça met un petit plus, et quand vous l'êtes, il y a une petite souris avec un carré. Alors quand vous avez la petite souris et le carré, vous faites clic droit, calque par copier, et voilà. Oh, mais comme vous voyez, ça n'a pas marché parce que j'ai oublié quelque chose qui est assez important. Alors voilà, on va le refaire vite vite. Je vais reprendre comme ça, faire une sélection. Je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé en fait. Il ne faudra pas oublier. Quand vous allez sur votre petit carré, important de cliquer sur la texture. Il faut sélectionner la texture. Après, vous faites clic droit, calque par copier. Et là, ça devrait marcher. Alors, ça donne ça. C'est comme notre image qu'on a ici. Mais ça donne ça. Alors, je trouve assez stylé pour quelle que soit votre image. Alors. Voilà, c'était un petit tuto pour les personnes qui ne savaient pas comment faire. Si je vous ai aidé, mettez un like et un j'aime. Et abonnez-vous pour me suivre. Je fais plein d'autres vidéos, des let's play. Ben, c'est mon premier tuto en fait, mais je vais sûrement en faire d'autres par la suite sur la chaîne. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Allez, ciao ciao!